Premièrement, il y a eu la surprise. On n'imaginait pas que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste des questions de sécurité puisse être nommé dans ces périodes quand même troublées d'incertitude, de crise, avec des mouvements sociaux importants, du terrorisme qui semble se développer, puisse être nommé donc à Beauvau. La surprise passée, nous n'avons pas d'a priori. Nous disons simplement que les policiers sont dans l'attente, les policiers sont anxieux, soucieux, qu'il va falloir les rassurer sur leur métier, sur leur carrière, et qu'il va falloir aussi les rassurer sur ce que concocte la place Vendôme et ce qu'a concocté Mme Taubira, à savoir une réforme pénale qui va être funeste puisque les policiers ne pourront plus travailler, les citoyens seront abandonnés, les victimes non entendues. Manuel Valls est un homme d'autorité qui a su imposer sa personnalité, avec lequel je n'ai pas toujours été d'accord, mais qui a respecté les engagements qu'il a pris, même si nous regrettons le matricule, même si nous regrettons la plateforme de dénonciation, même si nous regrettons la baisse du pouvoir d'achat.